spectateurs Bing TV aujourd'hui. Donc, dans votre émission Sport chez nous, nous recevons Ibrahima Diaw. Ibrahima Diaw, il est international sénégalais de tennis de table. Les Sénégalais ne l'ont pas encore découvert, mais nous tenterons dans cette émission essayer de connaître qui est Ibrahima Diaw. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voilà, Ibrahima, un peu, si vous voulez, enfin, si vous nous parlez un peu de Ibrahima Diaw, qui est Ibrahima Diaw? Ibrahima Diaw, c'est un Sénégalais qui a grandi en France. Donc, là, j'ai 27 ans et là, j'ai grandi à Paris. Donc, j'ai fait une étape. Voilà, si on parle aujourd'hui d'Ibrahima Diaw à Dakar, tout le monde pense au tennis de table. Depuis quand Ibrahima Diaw est venu dans le tennis? Alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Depuis 20 ans, toujours le tennis de table. Oui, voilà. 20 ans au tennis de table en France. Aujourd'hui, vous êtes à Dakar maintenant 24 heures. Aujourd'hui, on est au niveau de la Fédération sénégalaise de tennis de table. Vous jouez avec les joueurs de l'équipe nationale, mais aussi des débutants. À Dakar, quel message à ces Sénégalais? Bah, qui nous suivent, hein, j'espère que je suis sûr qu'on aura leur soutien. Et donc, voilà, j'espère que vous allez vivre de bons moments à travers le tennis de table. Voilà, les nouveaux programmes. Pardon, à venir. Alors, j'ai l'Open du Canada qui se déroule dans 10 jours. Donc, et puis après je vais avoir une pause et on va avoir la qualif aux Jeux Olympiques en Tunisie qui va venir en fin février. Donc ça va être mon objectif majeur. C'est la qualification.
Oui, c'est la qualification pour les Jeux. Et que tout le Sénégal soutienne la qualification, nous accompagne et tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Okay. Amis auditeurs Bing TV, nous venons juste donc de terminer cette émission avec Ibrahima Diaw, l'international sénégalais de tennis de table. Comme il vient de l'affirmer, il est né et grandi en France. Il a commencé à jouer le tennis de table il y a de cela 20 ans. Il évolue actuellement au Danemark où il joue donc pour préparer son objectif actuel grâce à la qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Nous lui souhaitons bon vent. Merci Ibrahima et merci aux téléspectateurs de Bingo TV.